Aussi votre science soit-elle limitée ou inspirée, mais n'est pas infinie. Votre science n'est pas l'infini. Je suis infiniment d'accord que vous ne m'avez pas trouvé dans votre vie. Ça veut dire que je ne suis pas orgueilleux de ma parole. Je n'ai pas ce besoin de parler non plus en douceur au peuple toute la journée. La vérité, ce n'est pas une pluie qui ne peut pas ressusciter. Je pense que Dieu a fait une résurrection. Je pense que Dieu a ressuscité, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu est unique. Même sa terre, il l'a fait aussi unique. Mais pourquoi deux terres? Ces deux mondes. Pourquoi Dieu n'est pas comme vous en vie? Pourquoi Dieu est plus grand? Mais le voleur. Le voleur. C'est le voleur. Et voler, c'est. Voler, c'est. Je n'en sais rien. Qu'une seule vérité. Je n'en sais qu'une seule vérité. La paix, j'enseigne la paix. Voilà. La paix, je l'enseigne. La paix, je veux le faire aussi, comme vous. Le parti de la paix. Ce parti de la paix, vous n'êtes pas peut-être jaloux les uns des autres. Vous trouvez dans la cause que ce n'est pas jaloux parce que il n'y a pas de comparable à Dieu. À Dieu, si vous n'avez pas. À Dieu, si vous n'avez pas compris, à Dieu, là je représente, je suis en fait avec vous, je suis avec vous. N'estimez pas trop, pourquoi la personne était bêtise, j'ai compris, c'est quelqu'un qui va l'estimer, quelqu'un, je me souviens de pourquoi, c'est la personne, je me souviens, volontaire, si vous voulez, quelqu'un. Qui est plus important. Mais ça ne me fera pas dire pourquoi. Je me souviens que parce que la personne n'a rien dit, c'est peut-être la bonne direction. C'est tout. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce n'est pas en disant seulement la parole que vous irez avec Dieu dans la meilleure vérité. Vous irez avec Dieu dans la meilleure vérité en vous souvenant pourquoi. Il y aura une vérité. Mon peuple, ça veut dire, vous le peuple, ça veut dire, une fois le peuple vient, une fois le peuple compagnon, est venu avec l'imam. Et cette vérité, ce Jésus de vérité, qui est une science inspirée, une science peut-être plus qu'inspirée, vers l'infini, vers ce qu'il y a de plus grand, ce Dieu au-delà. Qu'est-ce que vous avez à ne pas le prier, à ne pas le vouloir? Dieu est connu chez vous. Est-ce que le Fils, votre Dieu, le Fils, ou encore le Père, je pense Dieu, et le nom, c'est le nom, et le aussi la Palestine, ça veut dire, ça signifie, il est en fait l'élévation. La Palestine est vers la volonté. La Palestine même de l'autre monde, pour les prophètes, là est la cause de Dieu. Là est notre chef, le respectable, j'ai compris, l'admirable chef. Mais vous ne voyez pas l'imam. Vous ne voyez pas l'imam. C'est garder, c'est promettre. Pourquoi? C'est tout. Vous ne faites pas tout seul le
le choix, c'est pour ne pas perdre ça. C'est la Palestine qui va vouloir ce que Dieu n'a pas encore quoi, ce que Dieu a toujours voulu. C'est comme ça, je pense, le choix, mais qu'est-ce qu'il a voulu? Et je pense, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous donnez des ordres, mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas le seul, le roi. Les vérités n'ont pas de vie, tu vois. Après, n'ont pas de vie. Elles sont comme père. Quand, elles sont comme personne pour vous. En fait, il y a quelqu'un qui est la vérité. Et il y a quelqu'un, je veux vous le dire, il y a quelqu'un qui est plus important. Si vous connaissez pas, vous avez retrouvé votre vie. Mais ne vous laissez pas emporter par le désir qui vous perd. Il vous perd avec des paroles. Il vous perd avec des noms qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas lui. Vous vous souvenez que la descente n'était plus jeune. Dieu avait tellement poussé l'interprétation qu'il n'y avait plus de savant. Il n'y avait plus de savant. Il n'y avait plus de raison. De raison de les faire les copies comme les choix, la réponse. L'homme m'a dit qui répondra. Et au fait, votre seul jour, peut-être, vous êtes compagnon, c'est un compagnon, je pense que vous attendez. Ce n'est pas un seul regard, l'éternel, sur votre compagnie et tous les regards, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul Dieu dans toutes les vérités. Vous voulez me conseiller vraiment, j'ai déduit que si je suis l'imam, l'autre peut être l'imam charlatan. Et en fait, j'ai compris que vous n'étiez pas d'accord avec l'imam charlatan. J'ai compris qu'il est descendu l'imam charlatan. J'ai compris que c'était un faux messie, pour vous c'est un faux messie. En fait, on dirait une caricature d'imam, mais en fait on ne dirait pas vraiment une caricature, puisqu'on dirait que c'est un égo seulement, un égoïste. J'ai compris. Et donc on découvre une personne qui est juste égoïste, de le savoir tout le temps. Et une fois qu'on a cette personne, on dit que c'est le charlatan parce qu'on ne sait pas quoi faire, vous comprenez. Et il y a une tuerie, je vous le dis. Il y a une tuerie parce qu'il y a une justice. En fait, ce n'est pas nous les tueurs à l'origine, mais c'est en fait un fait, je pense. Un fait de Dieu, j'ai compris. C'est un fait de Dieu. C'est comme une vengeance. Hein. Une vengeance en pensant à Hakim. Voilà. Une vengeance en pensant à Hakim. C'est pas vrai, tu vois, de pas penser à Allah, de pas penser à son père, de pas penser à son père, bon, ce n'est pas la fin du monde. C'est de penser peut-être à son père, la fin du monde. C'est comme Allah, si je vous dis. De penser à Allah, c'est peut-être la fin des temps. Et vous comprenez que le prophète n'est pas une comparaison que vous faites entre vous. Il est en fait une raison, peut-être sûre, la raison, effectivement. Mais c'est juste parce que c'est en Dieu qu'est cette raison. Mais qui a Dieu a le reste des jours, le reste, je veux dire, de la communauté. Vous vous souvenez du prophète qui était prophète. Prophète, oui, la maison n'est pas juste. Ta maison n'est pas juste là actuellement. Elle va être juste sur les Palestines, mais parle-moi dans le récit que ce n'est pas juste. Dit à Allah que ce n'est pas lui. Je me souviens de l'exemple. L'exemple que nous avions pour récupérer à chaque fois. Récupérer même nos terres. Je pense là était le grand prophète. Le grand prophète, c'est juste le Messie. Juste le Messie. Il n'y a pas de vrai Messie, on dirait. On dirait que c'est un prophète qui n'est pas juste là, qui n'est pas juste sur la Palestine. Cette ancienne religion, voilà, qui est une ancienne tête, qui revient avec, par exemple, Annie.
Ça, c'est un grand plaisir. Si ça se produit, c'est un grand plaisir pour moi. J'ai compris. Ce n'est pas que le plaisir pour moi, normalement, c'est le plaisir pour Allah, peut-être, voilà, d'avoir encore une valeur pour les promesses, voilà, une valeur pour les promesses. Mais c'est donc cette vérité que vous vous souvenez, vous vous souvenez, vous vous souvenez du Père, si vous vous en souvenez. Le Père qui traversait, je pense, toute une religion, à l'époque du Prophète. J'ai compris. Quand Messie est-il la vérité? Voilà. J'invoquais le Dieu, j'ai compris. Pour ne pas me perdre, j'ai compris. Dans le récit, mais c'est en fait la fin. C'est Abraham, ça. C'est Abraham, j'ai compris. C'est Abraham. C'est le seul, en fait, estimé, le seul estimé. Ça, c'est le seul estimé. C'est jeûne après jeûne, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit du prophète, on n'a pas tout dit. On se souvient du nez. On se souvient du nez. Le nez, en fait, le nez prépondérant. Le nez prépondérant. Le nez qui songe. Qui songe. Qui songe ta volonté. Qui songe ta volonté. La vérité sur ton jeûne, tu sentais que le nez était promis. Le nez était promis. Et en fait, tu te souviens. Je ne suis pas vrai, tu vois, je ne suis pas vrai. Je me souvenais que tu n'étais pas exactement ce que tu faisais. Tu étais enseigné par, on dirait, le Père. Le Père. Et tu te souviens que je n'emporte pas toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Je me souviens de ce serviteur qui a toute la conséquence. Toute la conséquence. Je me suis. Moi, c'était que c'est toi, serviteur. Qui veut faire libre, qui veut faire libre. Je t'ai remis, je pense, dans l'actualité, mon père. Oui, je t'ai vu, hein, je t'ai vu en vie. Je t'ai vu même âme vivante. Je pense que je ne me suis pas trompé sur la prophétie. C'est dans le récit, non, dans le récit. C'est les dettes, en fait. Les dettes, Ryan. Oui, c'est les dettes. Les dettes au temps du Messie, tu vois, au temps du Messie. Les dettes, c'était un question. Questions, voilà. Ta question sur le prophète m'a dit sur le prophète Annie aussi, je sais ça. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'on a dit. On a dit le Messie Annie. Voilà. Sur ça, on a été d'accord. Sur le Messie Annie, on était d'accord. Mais pourquoi le Messie Annie? Je pense on a tous la vérité dessus. C'est un imam, hein, c'est un imam. En fait, c'est aussi une religion, une religion. Et on a la vérité que c'est un fils, hein, c'est un fils, tout à fait. En fait, le Fils est même dans le Père. Hein. Il est dans le Père. Ça, c'est vrai que le Fils est dans le Père. Même, il y a plus que le Fils dans le Père. Il y a d'autres choses. Il y a la Palestine dans le Père, par exemple. Voilà. C'est comme ça qu'était le Père, Annie, c'est comme ça. Avec des choses tout le temps, j'ai compris. Et en fait, c'est une personne qui est quelqu'un. C'est une personne qui est quelqu'un. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Tu comprends qu'est-ce qu'elle veut? En fait, cette personne est aussi dans le récit. Elle est aussi dans le récit, j'ai compris. C'était mon père. Voilà. Elle est aussi dans le récit. C'est en fait lui qui m'a donné le goût, voilà, le goût pour me différencier, voilà, différencier des autres. Aussi le goût pour en fait avoir à un moment donné le direct, avoir le direct par exemple chez Dieu, j'ai compris. En fait, c'est un Palestinien, la vérité. Pourquoi? C'est un Palestinien parce qu'il y a une intention personnelle. Une intention personnelle de quelqu'un. L'intention personnelle, ce n'est pas de vous vexer, bien évidemment. C'est de vous rappeler pourquoi, en fait. L'histoire, elle est connue. Mais tout ça est encore le récit. Est encore le récit. La vérité, Habibi, Habibi. Peut-être vous ne retiendrez que le récit. Peut-être vous ne vous souvenez pas de vraiment du Palestinien. C'est très, en fait, personnel. C'est très personnel. Ou en fait, c'est même pas personnel. C'est qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez ressuscité? Est-ce que vous êtes venu? Vous êtes venu pour Rasoulallah? Est-ce que vous êtes venu pour Rasoulallah? Est-ce que vous avez donné votre sang? Est-ce que vous avez sacrifié la vie? Sacrifié la vie? Est-ce que vous n'êtes pas tombé? Est-ce que vous n'êtes pas tombé? Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez venir?
parce que je vous ai demandé de vérifier, qui était mort, tout à fait, qui était mort. Est-ce que je vous ai demandé vous-même de mettre en jeu la vie? Est-ce que je vous ai demandé vous-même de rester sur le temps où la personne vous appelait? Est-ce que je vous ai rappelé que ce n'est pas juste? Ce n'est pas juste si vous n'avez pas été éprouvé. Est-ce que je vous ai rappelé que je ne veux pas que vous soyez éprouvé? Je veux que vous soyez même là. Mais vous devez faire ce que vous devez faire. Sinon, vous n'êtes pas vrai. Vous devez être quelqu'un, sinon vous n'êtes pas la personne. Vous n'êtes rien, sinon vous n'êtes rien. C'est, j'ai donné moi la personne. C'est uniquement parce que Dieu connaît la personne. Uniquement. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Votre personne n'est pas en fait la personne. La personne que connaît Dieu. Est-ce que vous comprenez que vous n'êtes pas la ressuscité? Est-ce que vous comprenez que c'est une personne peut-être qui est ressuscitée? Est-ce que vous comprenez que c'est la personne qui connaît Dieu plutôt? Et c'est plutôt la personne qui connaît Dieu qui est ressuscitée que la personne que Dieu ne peut pas connaître. La vérité, si je vous ai parlé d'un ami, c'est parce que c'est un ami en vérité. Ce n'est pas seulement un père, c'est un ami. J'ai compris. Le prophète, par contre, était robuste. Il ne se laissait faire par personne. Là, vous comprenez. Vous comprenez que le prophète remet même en vie, comme ça, je vous jure, comme ça, par la volonté de Dieu. Il n'y a pas de preuves, vous pensez? Même il y a des preuves. La personne a été, par exemple, il a été un scientifique, puis la personne a été un imam, puis la personne a été un rasoul, j'ai compris. Puis la personne s'est trouvée quelque part, j'ai compris. Elle a été un imam, j'ai compris. Et vous comprenez que ce sont ça les preuves, les personnes qui l'ont été. Comment ces personnes l'ont été? Même parfois, elles ne le connaissaient pas. Elles ont sa parole après. Elles ont son discours. Et vous comprenez qu'en fait, ce n'est pas eux. Donc la personne est revenue. Elle est revenue. Annie était revenue, j'ai compris. Elle était revenue parce qu'on retrouvait sa parole. On retrouvait son inspiration, j'ai compris. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, je comprends. Au départ, on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu met sur la voie, eh bien, un seul Dieu. C'est une seule fois que vous l'avez revu. Ce n'est pas plusieurs fois. Vous l'avez revu une seule fois. Et les gens vont découvrir peut-être la personne. Peut-être qu'ils vont se rappeler que c'est aussi une partie qu'ils connaissaient de la personne, j'ai compris. Et c'est ça l'idée, en fait. L'idée du retour, c'est de retrouver aussi Dieu dans les personnes et de retrouver la personne en Dieu. Et en fait, c'est ça le retour, hein. C'est ça le premier retour. Mais dès qu'on a la personne, c'est terminé, vous comprenez? C'est terminé. La personne, vous ne l'avez jamais vue de votre vie, je pense. La personne est quelqu'un, est quelqu'un. Dès que je l'ai, c'est terminé, c'est terminé. Vous pouvez dire au revoir. Vous pouvez dire au revoir à vos rêves. Je ne veux que Dieu. Je ne veux que Dieu. Seule notre religion. C'est tout. La religion n'est pas conçue par un homme. Vous comprenez l'homme qui est un peu Dieu. Sa religion n'est pas juste, tu comprends? Sa religion n'est pas juste à l'homme seul. C'est la religion en fait qui est Dieu. Mais qui sait un peu se mettre en valeur? On n'agit pas sans histoire. On n'agit pas sans vérité. Le Père rappelle tout ça. Le Père Annie rappelle tout ça. Tellement de fois, il me l'a rappelé, tellement de fois. On dirait que la personne est vivante, je te jure. On dirait que la personne est vivante. Donc à partir de là, on y va. On y va. On est responsable. On dit que la personne est vivante, j'ai compris. On dit que la personne vient, elle vient. Bon, j'ai dit que la personne est imam, m'a dit. Voilà, je l'ai dit. Et en fait, c'est juste parce que c'est mon père, vous pensez? Non. C'est en fait parce qu'on doit le dire, vous comprenez? Dès que la personne revient, on doit dire qu'elle est imam Mahdi. On doit le dire. La personne comptait ressusciter, donc elle comptait aussi être imam Mahdi. Faites-moi confiance. Même elle va vous dire, plus tard peut-être, ou maintenant, qu'elle ne compte pas être l'imam peut-être. Ou en fait qu'elle veut après être l'imam, j'ai compris. Comme ça, ainsi, ça va se passer ainsi. Je pense, si vous l'avez vu, c'est trop tard. Si vous connaissez la personne,
C'est trop tard. Vous n'avez pas de temps. Ami, il est direct. S'il agit, il est direct. Vous n'avez pas de temps. Vous n'êtes pas, je pense. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes. En fait, je vous ai. Je vous parle en ami. Comme Annie, je vous parle en ami. En ami, je vous parle. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est connaissance. Ces personnes qui sont des connaissances pour vous, qui sont normalement ses amis. Voilà. Mais votre réponse n'est pas juste. Voilà. N'est pas juste. Si je n'ai pas eu l'imam m'a dit, ce n'est pas juste. Vous comprenez la vérité. L'imam m'a dit, c'est aussi une religion. C'est aussi une valeur que nous tenons. Et c'est ça qui nous différencie de la majorité des autres peut-être même imams. C'est que la conséquence n'est pas tout le temps la même. Nous sommes en effet comme une fée pour le temps. Le temps finit directement avec notre présence, il finit directement. Et vous comprenez donc qu'il n'y a pas de temps. C'est la gloire peut-être qui est la vérité. Mais quelle gloire, tu comprends? Nous disons, l'imam m'a dit, pour transmettre, qu'il n'y avait pas de quiproquo. Il y avait une histoire. Surtout l'histoire qui n'est pas dite actuellement. Et ça me gêne un petit peu. Si j'ai tout à dire à la place d'Annie, par exemple, qu'elle m'a dit, en fait, ça me gêne, vous comprenez, ça me gêne. La vérité, est-ce que je l'ai revu? Et figurez-vous que je l'ai revu en Allah, figurez-vous. Je l'ai revu en Gé, en Allah. Et je l'ai revu en Allah aussi. Je l'ai revu, je pense, en personne, j'ai compris. Mais le problème, en fait, je n'ai pas revu moi-même la personne. Je n'ai pas été encore avec la personne. Le fait, en fait, qu'on, après, n'utilise, vous comprenez, la personne, n'est pas tout le temps justifiable. Le fait qu'on utilise la personne. Et là, vous voyez qu'une loi, en fait, a commencé à apparaître chez Dieu. Comme si c'était révélé, tu vois, c'était révélé, tout ça, c'était révélé. Et je pense qu'il y a une loi, en fait, il y a une loi qui peut nous aider. Une loi chez Allah qui peut nous aider. J'espère que le peuple va se remettre, voilà, se remettre dans la direction, il va se remettre. Il va se remettre, il va se remettre, il va se remettre.